Coucou, c'est F4. Coucou. Coucou. Et vas-y, Shai. Bon, il y a Shai. Vas-y. Oui, moi c'est Shai. Je savais que c'était c'est Bab. Et il y a Bab. Bab qui tombe bien, puisqu'on va commenter son combat qu'il a joué aujourd'hui. Donc, il était avec Carrar le Xelor Bablini, face à la team des Stigma, qui est une team sacrée Ossa, donc une team de merde. Splendide. Splendide, voilà, c'est le mot, une team splendide. Donc, on remarque tout de suite que le Xelor a pas aligné sur le Fab, ce qui va être une source de grosse galère pendant tout le combat. Oui, pourtant, Carrar a mis un canistère, comme l'Ossa. Et malheureusement, c'est l'Ossa des Stigma qui a eu l'ini. Du coup, les deux invoques se sont fait plaisir, on vient bloquer le Xelor et on paralysait les EF pour ce premier tour. On remarque aussi que je n'étais pas là pour ce match et que Zeti a pris la place de l'arbitre. Donc... Bon, on remarque aussi que si F4 a cet air blasé, c'est simplement parce qu'on vient de commenter la vidéo, il y a eu un échec de record. Du coup, on doit se répéter. C'est merveilleux. C'est splendide. On est au deuxième tour, il y a donc un dragonnet qui est invoqué par l'Ossa des Stigma. On imagine tous qu'il va debuff le Xelor, qui s'est retrouvé avec 16 PA grâce au stimulus plus dévou. En fait, on imagine plus maintenant, vu qu'on l'a vu trois fois à la vidéo. Et en fait, non, le dragonnet tape le Latino, plutôt que de debuff. Bon, c'est fou. C'est tellement fou, mais... Bon, sois pas blasé avec toi, Shai, parce que c'est déprimant, en vrai. Ça fait déprimant de commenter avec Shai, alors... C'est fou, c'est vrai, je le pense. C'est fou, c'est même flou. Donc là, le Xelor... On remarque... Tu le t'abonner. Voilà. Que Carrar, il a beau avoir 12 PA de base, si je ne me trompe pas, ouais. Il a quand même un petit peu de chance, et il est capable de taper à l'horloge. Bon, c'est pas mirobolant, mais c'est quand même du sang à l'horloge. Les autres Xelor qui jouaient ce tournoi, était pour la plupart vraiment full dégueu. Hein, ça c'est quand même farfelu par rapport aux Xelor moyens qu'on voit sur le tournoi. C'est farfelu. Je plus sois. On voit que l'ennemi de Bab a plein d'agis, puisque c'est un ennemi agi, mais peut soigner quand même un petit peu, puisque là tu fais du 80 au mode soignant. 80, c'est ça, ouais. Avec un petit lapino, ça aurait fait 90. Voilà. Oh. Malheureusement, vous tombez contre une team Ossa qui neutralise un peu le Lapino. Comme par hasard. C'est quand même l'atout principal de l'ennemi à ce niveau. À mon avis, F4 a trafiqué les compos pour que vous tombiez contre une team difficile. Bah, j'en ai bien peur. Il semblerait que je vous ai mis des bâtons dans les roues. Là, on imagine que Sarah aurait pu lancer un flou, donc on est au tour 3, parce que les adversaires étaient bien groupés. Mais non, il préfère faire de ralento. Bon, ça doit être une des seules erreurs de Carrar. Putain, j'ai déjà dit ça, ça me fait chier. Une des seules erreurs de Carrar sur ce match, pendant lequel il a globalement plutôt bien joué. Hein, c'est avec son... Eh oui. Bah, tu décides de tuer les invoques, tu tapes avec ton bâton, malheureusement, échec. Un échec. Ouais. Sur le cas qui aurait fini crack en plus, donc plutôt embêtant. Comme on peut le voir, le gros point faible de votre team, c'est qu'il n'y a pas de debuff et vous pouvez rien faire contre le flou d'invoque qu'il peut y avoir. Du coup, ça devient vite compliqué et difficilement gérable. On ne sait pas trop quoi taper en fait, puisque taper le sacri, c'est pas judicieux. Il serait boosté. Ouais. Et il ne faut pas taper l'ossa ni le debuff, puisqu'il est sacrifié. En fait, ce qu'on voulait faire au début, c'était réduire un maximum le sacri pour empêcher le sacrifice. Essayer de se faire l'ossa en vitesse. Le problème, c'est que vu qu'il n'avait pas l'ini, Carrar, c'est pas assez dur. Dès qu'ils ont commencé à invoquer, c'est mort. Mais vous essayez quand même de tuer les invoques, là. Sans cet échec cac, il y aurait plus qu'un bouffe tout déjà. Non, on remarque quand même, justement, pour rebondir sur ça, qu'à ce tour, Bab ne va pas finir le crackler en un coup. Ce qui veut dire qu'il aurait pu ne pas le finir avant, même avec le C. C'est vrai, mais là, tu chipotes, hein. Ouais. Ah, je suis là pour ça, c'est le rôle d'un commentateur de le plus précis possible. Ouais, bah, je couperai tes commentaires au montage parce que là. T'as besoin de 3 ralentis pour le voir, hein, donc. Juste 2, j'avais pas vu l'original. Bon.
Et qui dit qu'il ne me restait pas 3 PA derrière pour refaire un clear. Parce que... L'aiguille est les bouffetous qui font chier, et Carrar qui va pouvoir l'aiguille comme il faut là. C'est un des premiers tours, il peut vraiment se faire plaisir à l'aiguille de perso complètement. Ouais. Et ouais. C'est aussi le tour du flou, je crois. Oui. Voilà. Donc le sacrifice est 1 PA. Et le stade 2 ou 3. Tour 5, ils envoient le flou. Et là, c'est un petit peu la charnière du combat. Les deux teams sont plutôt à égalité, là, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'invoques. Et que les stigmas sont bien aigus. Et voilà. Encore un échec cac. Ça, puis aussi encore. Incroyable. Et un crapaud sur le bouffetou, donc celui-là, tu ne le tueras plus. Ah oui, je ne dirai rien cette fois. On remarquera quand même que Misto est quand même assez sexy, mais plutôt malchanceuse. Hein. On va tout savoir. Misto sexy, Misto, peut-être que tu vas pouvoir candidater pour le trophée de la beauté. Mais attention, le bête est là. Et il a envie de gagner tous les trophées. Je le sais, il me l'a dit. Bah, il n'aura pas si du rush kit en tout cas. Merveilleux. Non, il gagne tous ses combats, le bête. Splendide, splendide. Et on va voir si Misto gagnera ce combat ou pas. Hein, il reste 7 minutes de vidéo. On va être fixé. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Même si Lenny a déjà quand même plutôt morflé à 1200 points de vie, ça descend vite. On peut dire qu'il a toujours la reconce, donc. Là, vous êtes bien placé pour la stimu. Mais tu joues toujours sur la défensive, hein. À coup de prêve et de traînant sur le ça. C'est clair et net que la seule solution ça aurait été de full l'aigu le sacri et de taper l'ossa, mais avec les invoques ça aurait été aussi compliqué. L'idéal ça aurait été de full l'aigu les deux, mais c'était quand même compliqué aussi, surtout impossible sans ligne. Et en plus avec le problème des concombres en ce moment, faut éviter les... Bon, très bien. Carrar est complètement bloqué ce tour là, hein. L'ossa c'est très bien placé, Carrar ne peut pas l'idée pour jarter le sacri, mais de toute manière, on a appris par la suite que Carrar n'avait pas l'idée. C'est ça, Bab? C'est une erreur qu'on a fait avant de commencer le combat, on a oublié d'apprendre l'idée et rollback sur le joueur. Rollback aussi. Donc, mais c'est pas possible. Bon, ça nous a pas empêché de gagner, mais... Non, c'est possible. Donc d'après nos informations, Carrar avait l'idée et rollback dans son inventaire, il les a pas appris. C'est dommage, mais vous allez essayer. On remarque aussi que le sacri, dépité par le peu de dommages qu'il reçoit, décide de se taper lui-même pour se booster un petit peu. Et qui va déco aussi d'ailleurs. Il a surtout décidé de déco. Ah, il y a l'ossa qui booste ses invoques et le sacri. On n'a pas vu beaucoup de ça avec Crit d'ours monté, hein. Ouais. En même temps, ça s'explique parce que le sacri joue avec une tige du brouture. Du coup, c'est un cac à 3 PA comme une dague, quoi, qui tape avec 2G. Donc, des plus dommages, c'est très rentable. Ça reste quand même plus rentable sur les invoques. Et c'est pas si bête que ça à ce niveau-là parce que. Avec les autres, ça peut vite devenir infâme, hein, toutes les invoques qui tapent de plus en plus fort. C'est sûr. Donc, Carrar l'aiguille bien comme il faut. Sauf l'ossa qu'il aurait pu avoir dans la diago là, mais bon, il l'a pas eu. Et le sacri va déco. On remarque que même si c'est des stigmas, eh bien, personne ne reconnecte le sacri. Donc, bon, c'est des stigmas honnêtes, c'est sans doute pas les pires de leur guide. En plus, il a pas tué son pote encore, à la folie sanguinaire. Donc, il a pas les réflexes des anciens stigmas. Pas encore. On remarque aussi que les specs sont en délire, enfin le spec surtout, il a l'air plutôt agité. En fait, il se trompe carrément, il doit exactement leur dire quoi faire, leur donner des conseils, mais il se trompe complètement de ce des conseils en chaîne spectateur, ouais. C'est pas la première idée. Mon Carrar fait une belle aiguë encore une fois. Tout passe, c'est merveilleux. En même temps, il faut dire qu'il envoie des démotivations à chaque début de tour, en général. Donc, ils n'ont plus du tout d'esquive. Et il y a le cadran. Osef Chati, now full puni. Full puni, juste puni.
Bon, il parle à moitié en anglais, à moitié en français. Et un petit fond de chat. Pas terrible. Et le Sacri tape un petit peu à la tige de monture. Sur les contres, donc ça fait pas bien mal pour l'instant. Et alors là, vous voyez, j'ai accéléré la vidéo à fond, tout simplement parce que à partir de ce moment-là, ça se complique vraiment beaucoup pour les ES. Carrar est bloqué contre la table par le Sacri, les invoques, tout ça. Il doit se faire soigner par Bab, donc là vous n'êtes plus du tout sur une stratégie offensive, mais vraiment plus du tout du tout. Et Carrar use la TP, donc il peut se dégager, sortir de l'endroit où il était bloqué, mais grâce à Coop, il va se faire rebloquer immédiatement, et là, sans l'IB, sans rollback, il ne pourra plus jamais en sortir. Téléphique, et on dit que c'est fini là. Mais il va y avoir un retournement de situation. Non, je rigole, il n'y en aura pas. C'est vraiment la fin là. Misto va utiliser Doom et le combat sera terminé. Il n'y aura pas de miracle. C'est l'avantage d'être modérateur, écoute. Là, ouais, en plus, il y a des bouffous partout. Frappeur, bouffous, Sacri. C'est. Sacri aussi plus. Effectivement, j'ai envie. Hop, une punition à 683. Reponse à 1700. Bon, là, quelqu'un jarte les specs par erreur. Oui, du coup, de le mix là, donc. Carrar est tellement bloqué, il peut tellement rien faire qu'il en est réduit à taper au Godrod. Faire des effets ouais. Et à ce moment-là, on a pensé à jouer le trophée du Rush Kit, mais on s'est dit que ce serait plus digne de notre honneur de rester jusqu'au bout. Ah, on connaît beaucoup de pratiquants du Rush Kit, garder leur honneur après. Hein. C'est pas très bon goût. Ouais, pas vraiment là. Je mettrai un bip. Ok, très bien. Bon, là il y a vraiment trop d'invoques. Il y en a combien? Il y en a 6. Bon, même avec un flou, là il y a vraiment plus aucun espoir. Avec les pays, il y en a 7, oui. Aucun espoir. Tu reprends, mais à chaque fois tu dis des conneries. Donc... Bon, arrête de faire chier, hein. T'es lourd là. T'es vraiment un gros con, là. Ton tournoi, c'est de la merde. Oh, ah ouais, d'accord, carrément, on m'insulte comme ça, mais c'est pitoyable. Je trouve un peu virulent, Zeti, même si je suis d'accord. C'est vrai que je dis des choses assez farfelues, mais bon, là, faut bien combler, parce que, à part cette punie à 900, sur Micho, qui a chose. Déjà tapé sa réponse, bah, il se passe pas grand-chose. Donc là, la défaite est inévitable, et il faut savoir que derrière, sera donc plus qu'une seule team Epic Fail dans tout le tournoi. La team des Knights, Moussei, non hein. Oui, les Knights, Moussei, non, ma team, moi et Mori. Évidemment, c'est la meilleure team, et c'est pas étonnant qu'il ne reste plus que nous. Et eh bien, écoute, Bab, on a essayé de faire honneur aux autres EF qui ont participé pour aller jusqu'au bout. Et évidemment, on gagnera nos deux prochains combats. Aucun souci à se faire là-dessus. Et bien, je demande qu'à voir. Tu verras. Et voilà, c'est fini. C'est magnifique. Allez, pas bien enregistré, hein.